Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Et oui, elle est bien là, perchée sur son fil, à sentir notre présence, à nous guetter pour protéger son territoire. Elle alimente depuis la nuit des temps les fantasmes les plus fous, créant fascination, dégoût ou même phobie. Pourtant incontournable dans le règne du vivant, elle a su évoluer dans ses techniques de prédation et de maintien de son espèce pour envahir la planète. L'araignée. La plupart des fossiles d'araignées ont été découverts au fil du temps, emprisonnés dans l'ambre. Son corps étant trop mou, il est impossible d'en retrouver dans les couches sédimentaires. En 1987, le plus vieux fossile a été découvert datant de 386 millions d'années. Les premières araignées, soit 100 millions d'années avant les dinosaures. Chapeau. En 2017, 47 000 espèces étaient répertoriées. Seulement 200 espèces peuvent infliger des morsures affectant la santé humaine. Sur un plan morphologique, l'araignée se compose du céphalothorax relié par un fin pédoncule à l'abdomen. Le céphalothorax porte les yeux et la bouche. Au plus près de celle-ci, les chélicères abritent un crochet mobile au bout duquel débouche le canal à venin. Situé au-dessus des chélicères, les pédipalpes ou pattes mâchoires servent à l'examen sensoriel des proies et à leur manipulation. Chez les araignées adultes mâles, l'extrémité du pédipalpe porte également le bulbe copulateur, l'organe d'accouplement mâle. Contrairement aux insectes, l'araignée n'a ni antenne, ni ailes, porte 8 pattes et a des yeux simples sans facettes. Elle peut en posséder de 8 à aucun. Ils sont généralement placés à l'avant du céphalothorax en ligne de 2. La vision des araignées est néanmoins très mauvaise. Seule la paire d'yeux située au milieu et à l'avant permet une vision directe. Les yeux latéraux ne détectent que les mouvements. Sur le ventre, le céphalothorax porte 4 paires de pattes locomotrices articulées. Les pattes portent diverses structures étroitement liées au mode de vie particulier de chaque araignée. Il s'agit d'organes sensoriels, d'épines, de crins, de poils, des structures pour émettre du son, souvent inaudibles pour l'oreille humaine, ou bien encore des peignes pour brosser la soie. Son aspect est certes atypique et peut provoquer des craintes, cependant ses capacités créatrices dans la conception de la soie, l'architecture de ses toiles, les stratagèmes de prédation mis en place sont une invitation à la découvrir et à s'en inspirer. Il faut savoir que toutes les araignées produisent de la soie. Leurs glandes séricigènes produisent de la soie filée par des filières qui sont de petites protubérances, mobiles et articulées, le plus souvent en nombre de 6, situées à l'arrière de l'abdomen sur la face ventrale. La soie est liquide dans les différents types de glandes et se solidifie en fibrilles lorsqu'elle en sort par les fusules, sous la traction exercée par l'araignée. Un très grand nombre de fibrilles élémentaires s'entrelacent alors pour constituer le fil de soie. L'araignée est passée maître en matière de confection du fil de soie. D'ailleurs, le mythe de la Grèce antique selon lequel Arachné un jour aurait mis Athéna au défi de réaliser un travail plus délicat que le sien, prise de rage par l'évidence qu'Arachné était bien meilleure tisseuse, Athéna détruisit tout son travail. Humiliée par cette offense, Arachné alla se pendre avec une corde. Prise de remords, Athéna décida de lui donner une seconde vie sous la forme d'une araignée suspendue au bout de son fil et réalisant des toiles d'une finesse et d'une légèreté admirables. La soie développée par l'araignée est exceptionnelle de par sa composition d'acides aminés. La grande particularité des fils produits est qu'ils ne sont généralement pas de composition homogène, une même espèce pouvant produire 8 types de fils différents au sein d'une même toile. Ce qui les distingue, ce sont leurs propriétés, plus ou moins solides, adhésifs ou élastiques selon la fonction qu'ils sont censés remplir dans toute l'architecture. Les plus fins
sont les plus sensibles aux vibrations pour prévenir la bête de l'arrivée d'une proie. Ils sont néanmoins très résistants afin de supporter les mouvements rapides de l'insecte piégé qui se débat. Les plus solides permettent d'assurer la structure de base, la stabilité de la toile et sa longévité. Il existe aussi des fils parfumés permettant d'attirer l'araignée mâle et de stocker la nourriture et les œufs. Considérée comme un polymère, la soie intéresse de plus en plus la recherche pour ses propriétés. À masse égale, le fil de soie est 5 fois plus résistant que l'acier et 3 fois plus que les fibres synthétiques. La deuxième propriété intéressante, sans aller à l'encontre de sa résistance, est sa grande élasticité. Il peut s'allonger de 40% sans se rompre. Certaines araignées produisent même des fils pouvant s'allonger de 200%. Ces propriétés sont telles que des applications étonnantes ont vu ou vont tenter de voir le jour, comme des fils de suture en chirurgie, la fabrication de peaux humaines artificielles dans le cadre de greffes, mais également la fabrication de cordes de violon ou bien encore de nouveaux matériaux plus écologiques. Notre amie l'araignée vit de 1 à 2 ans. Certaines espèces, comme les grosses mygales, peuvent vivre 20 ans. Tapis dans un trou tubulaire, tapissé de soie ou suspendu dans l'angle du plafond d'une chambre, l'araignée habite différents formats d'architecture. Possédant un squelette externe inextensible, pour qu'elle grandisse, elle doit se débarrasser de sa vieille carapace et attendre qu'une nouvelle se forme. Ce changement de peau externe s'accompagne d'un renouvellement des parois solides, des organes digestifs qui doivent être régurgités pour permettre la croissance. Lors de la mue, l'araignée est incapable de se défendre ou de fuir et peut rester coincée dans son ancienne peau. Même s'il reste rare, le mimétisme est aussi constaté chez l'araignée, capable de se confondre par exemple avec une feuille, ou bien encore, selon une récente découverte, avec une fourmi, en conservant le même rythme de déplacement et s'arrêtant de temps à autre pour lever les pattes avant pour simuler les antennes de la fourmi. L'araignée est également une alliée précieuse à la maison comme au jardin. Prédatrice hors pair, elle se nourrit de petits insectes mais également d'acariens, régulant ainsi leur population. Elles sont également considérées dans la chaîne alimentaire comme excellente nourriture pour tout autre prédateur comme les oiseaux, les reptiles ou lézards ou encore la musaraigne. Certains insectes également se délectent de semer. Comme vous l'aurez compris, malgré son air quelque peu impressionnant et étrange, l'araignée a toute sa place dans nos écosystèmes et doit être protégée. Pour les Amérindiens, l'araignée est la tisseuse des rêves de l'humanité. Sa toile englobe tout ce qui est vivant. Elle tisse la destinée des hommes et de toutes les créatures. C'est un guide qui nous permet de maîtriser l'art de tisser les rêves et la réalité dans un amalgame qui s'avérera positif pour nos réalisations. Avec son aide, nous apprenons à matérialiser nos désirs et à rêver notre vie. Vous avez certainement déjà vu des attrapeurs de rêves fabriqués et suspendus dans les voitures ou près des maisons. Pour terminer cette petite chronique sur l'araignée, connaissez-vous la signification du dicton de l'araignée du matin, du midi et du soir ? Bien tout simplement, l'araignée du matin, chagrin. Parce que si l'on voit travailler une araignée, le matin, cela sous-entend qu'aucune rosée ne la gêne. Et qui dit absence de rosée dit pluie à venir. Pour celle du midi, souci, parce que si l'araignée tisse sa toile au milieu de la journée, cela implique que la pluie se prépare et qu'il faut donc se dépêcher. Et pour le soir, espoir, parce qu'une araignée qui se balade tranquillement au crépuscule est détendue, et donc que le beau temps devrait persister. Bonne semaine à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super green aussi green que ça peut être. Green, la puissance des green, 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 tu vois, meurs, tu vois, green, green, absolument. Green, green.